Alors, le Festival de la Fierté euh, va se tenir quand même, euh, malgré la pluie, même s'il y a beaucoup d'activités qui ont été euh, annulées. En fait, les activités intérieures vont être maintenues, les activités extérieures, bien, évidemment, ce n'est pas intéressant quand il pleut de façon aussi intense que ce qu'on a connu au cours des dernières heures. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, Fierté, le Festival de Fierté Montréal a accru de façon importante les mesures de sécurité. Pourquoi? C'est parce qu'on sent une certaine hostilité à l'endroit de la communauté LGBTQ. Euh, et euh, c'est parce qu'il y a eu euh, un certain nombre d'événements homophobes aussi. On vit ça à Montréal, on vit ça ailleurs également. Et donc, on veut se protéger contre ça. Raphaël provo est directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous. Euh, ce, ce climat euh, hostile euh, à la communauté trans, de façon plus générale à la communauté euh, LGBTQ, euh, on le sent aux États-Unis, on le sent en Europe. Euh, Puis malheureusement, on le sent aussi au Québec, c'est une réalité quand même. Exactement, on parlait souvent d'ailleurs, on parlait du Sud, de ce qui se passe aux États-Unis, mais maintenant on parle de ce qui se passe ici à Montréal et en région, au Québec, des histoires comme on, on voit parfois dans les journaux, à la télévision, de gens qui vivent de l'homophobie, de la transphobie dans la rue, sur les médias sociaux, dans la cour d'école. Ça arrive de plus en plus et Fierté Montréal a justement voulu renforcer la sécurité autour de l'événement parce que c'est un rassemblement de gens qui viennent mettre la, dans la rue leur histoire, leur visage pour dire on existe, on est là et on veut se faire entendre. Donc, ils veulent assurément s'assurer que tout le monde trouve sa place et la bonne place. Mais je vous rassure qu'il y a du positif à travers tout ça. On sent qu'il y a des gens qui nous soutiennent, différentes communautés alliées prennent parole pour nous défendre. Mais ce n'est pas facile le climat actuel pour les communautés. De quoi on a peur exactement? Les gens ne se cachent plus pour dire qu'ils sont homophobes, pour insulter les gens. On se rappelle d'une époque où les gens se cachaient derrière une photo de chat sur leur profil Facebook. Maintenant, les gens dans la rue le font. Il y a quelques semaines, même à Québec, une personne que je connais était victime dans un bar de propos homophobes. Une personne se faisait insulter directement, publiquement, dans le bar. C'est même fait bloquer la sortie du restaurant. Donc, la personne avait peur pour sa propre sécurité. Ça, c'est arrivé pas très loin d'ici. Il y a quelques semaines, dans les cours d'école, moi, je suis directeur général de nos B.N.L. qui va à la rencontre des jeunes quotidiennement et les jeunes nous disent avoir peur peur des autres, peur des jeunes, peur des adultes, parce qu'il y a vraiment un climat de tension en ce moment. Et on veut s'assurer que dimanche, on puisse marcher, parce que c'est ça, c'est oui une célébration, mais c'est surtout une grande marche. On veut se faire voir et entendre pour dire qu'on existe et qu'on va continuer de l'être. Pouvez-vous expliquer ça, cette, cette montée de l'intolérance, Raphaël, pour vous? Elle a toujours été là. Elle a toujours existé, cette intolérance, mais maintenant les langues se, se, dé, se délient maintenant. Donc les gens ne se cachent plus pour justement se, se partager. Mais on sent qu'il y a une tension sociale. Et c'est pas que les communautés LGBTQ qui la subissent, les femmes, les communautés racisées au Québec. Je sens qu'il y a une tension en divers groupes. On ne s'est jamais autant peu parlé, on n'est jamais été autant en plus. C'est ça le, le paradoxe dans tout ça. On sent qu'on est isolé. Et moi, c'est ça qui me fait peur avec la situation actuelle. On est isolé. On sent qu'il y a une détresse psychologique chez beaucoup de gens. Et c'est ça que ça cache. Les gens ne se parlent plus. On s'écoute plus non plus. Et c'est ça crée ces situations-là, donc, donc de tension. Donc les gens deviennent violents, agressifs envers les autres. Et pourtant, c'est pas l'image que j'ai du Québec. On n'est pas parfait, mais pour moi, le Québec, c'est un espace qui est bienveillant, sécuritaire et rassembleur. Et j'espère que notre fierté de dimanche va être à l'image de ces valeurs québécoises. Mais on le sent que cette tension-là un peu partout au Québec en ce moment puis ça me fait peur. Avez-vous l'impression que ce qui se passe aux États-Unis déborde un peu chez nous? Oui. On le sent, puis on est toujours été teinté par ce qui se passe à côté de chez nous. Et maintenant, avec les médias sociaux, surtout les jeunes ont peut-être un peu moins conscience de la question des douanes, des lignes entre les États-Unis et nous, parce que quand on est sur les médias sociaux, on navigue d'un un univers à un autre, d'un pays à un autre. On a moins conscience que c'est peut-être pas chez nous. Et les gens reprennent ces codes-là. On l'entend dans les dans les façons les personnes s'expriment, dans les écoles, sur les médias sociaux, on reprend ce qui se passe. Donc, on est très sensible à ce qui se passe ailleurs. Donc, notre écosystème est fragile. Mais moi, j'espère que la force va prendre le dessus, que le positif va prendre le dessus. Mais il faut quand même faire attention. Et des situations, comme je vous ai partagé, on l'a vu aussi à Sherbrooke dans les derniers jours, des gens via certaines applications de rencontre ont aussi été victimes de violences. Euh, Parlez-moi-en de, de cette histoire-là, c'est épouvantable. Si je vous dis Tinder, Grindr, c'est des applications ah ouais. de rencontre, justement. Il y a des gens qui étaient sur ces applications pour rencontrer, peut-être pour le plaisir, pour l'amour, mais ils espéraient trouver façon... un endroit sécuritaire. Ils ont été victimes d'agressions physiques dans la rue. Donc, des gens leur ont donné rendez-vous. Donc, ils s'attendaient à une rencontre, comme on s'attend à faire quand on va sur ces applications. Et ces gens ont été victimes d'agressions physiques. Et c'est extrêmement troublant de se dire qu'en 2024, sur des applications de rencontres qui, pour tout le monde, qui se posaient être sécuritaires, des gens sont victimes de ça. Et croyez-moi, c'est la pointe de l'iceberg. Je fréquente ces applications de rencontres. Elles sont problématiques. Et je pense qu'on doit avoir une réflexion et une conversation collective à voir qu'est-ce qu'on fait avec ces applications-là et moins jeunes à savoir comment on navigue avec ces applications, parce qu'on veut trouver l'amour, on veut avoir du plaisir. Puis au Québec, on devrait pouvoir le faire de façon sécuritaire. Peu importe qu'on soit gay, hétéro, bipan, eh oui. trans, on devrait pouvoir le faire en sécurité. Bien évidemment, et je comprends que tout ça, ça, ça reste dans la tête des gens, parce que quand on ne se sent pas en sécurité, ben, veut, veut pas, ça, ça, ça nous affecte. Ça nous Raphaël provo je rappelle, vous êtes le directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité. Merci beaucoup d'être venu et... but we can now